Salut les aventuriers! Vous avez un ou des robots à disposition et la programmation est en cours d'apprentissage? Qu'allez-vous donc faire pour développer et renforcer toutes les connaissances et savoir-faire en construction de vos élèves? Pourquoi pas mettre en place des scénarios pédagogiques plongeant vos élèves dans la peau d'ingénieurs? Leur proposer des tâches complexes sous forme de cahiers des charges? Les inciter à agir de manière responsable et à coopérer à travers la réalisation d'une mission? Une façon de construire et développer et aussi de mettre à l'épreuve et d'évaluer les compétences de vos élèves. En utilisant les moyens de prototypage, de réalisation et de modélisation robotique, vos élèves vont pouvoir investiguer et adopter la démarche scientifique en situation pour comparer des solutions différentes à un même problème et désigner des réponses efficaces. Voici quelques exemples qui pourraient bien vous inspirer. La mission spatiale. Voilà, avec par exemple pour objectif de programmer ou piloter un robot qui se meut sur une planète lointaine pour l'explorer et en rapporter des échantillons à étudier. Autre idée, robot de combat, avec pour objectif d'organiser des duels de robots qui doivent se bousculer et s'éjecter d'une zone définie. Pourquoi pas une coupe de robotique, avec pour objectif de faire coopérer des robots dans une activité sportive ou de manipulation pour déplacer un ballon ou disposer précisément des objets. Encore une idée, le Minotaur, avec pour objectif de programmer votre robot afin qu'il explore un labyrinthe et en retrouve la sortie. Danse avec les robots. Faire chorégraphier et synchroniser des déplacements et interactions entre robots d'une même flotte, voire des robots dépareillés. Vous êtes fan de musique DAFT Robot, avec pour objectif de transformer les capteurs de votre robot en déclencheurs musicaux pour composer des séquences musicales. Vous êtes fan d'art plastique Dessine-moi un robot. Munir votre robot d'un crayon et programmer des déplacements pour réaliser des figures et des dessins. Robot pour être vrai Avec pour objectif de faire simuler ou imiter des réactions humaines à votre robot. Peut-être du biomimétisme pour s'inspirer du monde vivant, pour modéliser et reproduire des mouvements animaliers. Un projet robot domestique en détournant votre robot pour en faire un objet ménager, un outil domestique. En leur faisant confiance et en laissant parler l'imaginaire et l'inspiration des élèves, ce ne sont pas les idées qui manqueront. A bientôt les aventuriers.